Coucou, bonjour les amis, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, je voulais faire un petit live, mais malheureusement, mon chauffeur est là, je vais devoir partir. Je ne sais pas si vous m'entendez bien là. Dis-lui d'attendre un peu, dis au chauffeur d'attendre un petit peu. Bonjour les amis, connectez-vous s'il vous plaît, connectez-vous. Je suis à Douala. C'est la main faute de qui? Ouais, quand l'amour est doux. C'est la main faute de qui? C'est la main faute de qui? De Florian. C'est la main faute de qui? De Florian. C'est la main faute de qui? De Florian. Des abeilles. Tu veux plus qu'on prenne une bouteille d'eau, maman? Oui. Prends une bouteille d'eau, le chauffeur est là. C'est la main faute de qui? C'est la main faute de qui? Florian. C'est la reine mère de qui? Florian. C'est le fric. Qu'est-ce qui fait le bruit? C'est la clim, je n'ai pas arrêté. C'est la clim, j'ai pas arrêté la clim. C'est ça qui fait. Je pensais que j'ai arrêté. Nyou de qui? Maman, la seule bengis qu'elle est. Maman, quand elle est au co, c'est comme si elle était en mon frère. La seule benguisque, hein? C'est la main faute de qui? Bon, je vais être rapidos. C'est la main faute de qui? Nyou de qui? La donneuse de work. La donneuse de work de qui? La patronne de qui? Nyou de qui? La patronne des travailleuses sans salaire. La patronne des travailleuses sans salaire. La maf de qui? Celle qui rend dingo. La seule qui donne le travail. À fond. La seule, le maf de qui? En fait, le chauffeur est là. Je vais devoir partir. Il faut que je sorte. Pardon, sort. Il dit quoi? Je prends la voiture, ma. Quand les dos finis, toi, tu conduis. Moi, je vais conduire. Quand on a rien, on conduit. Ok, j'y vais. Il est là, non? Ok, bon. J'ai une amie qui vient de Kribi. Elle vient en Allemagne. J'ai une amie qui vient de Paris aussi. Donc, ils seront là. Si les gens arrivent, vous ouvrez. Deux personnes. Après, tu sors le fou. Vous mettez le fou ici, non? On va braiser le poisson le soir, tout à l'heure. Ne dure pas. Et cœur. Le chauffeur est là, donc il faut que je parte dans la voiture. Florian! Oh! Oh, vraiment. Bonjour, monsieur. Hé, hey, la fille a posé ça ici. Ouf! Bonjour, monsieur. Attends, ma fille est là encore là-bas. Alors, les cœurs. Je ne sais pas si on peut baisser un peu le volume de la radio. Je fais un petit... Voilà, dommage que je sois en train de partir. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc, moi, je suis au Cameroun depuis quelques jours. Je suis arrivée à Douala pour la dot de ma partenaire, Thème Parfait, qui s'est passée à Yaoundé, chez les Etongues là-bas. Là, elle est partie à Maya chez les Bassa. C'était du venez voir et aller dire. Donc, c'était. Elle a. Nadège Thème Parfait a révolutionné la dot. Maintenant qu'on fait la dot, on fait aussi la soirée. Vous voyez un peu, non? On donne à manger au village. Vraiment, son mari a fait fort. C'est pour ça qu'on vous dit d'avoir les bons maris. Oui. Un bon mari est celui qui vient te doter. Qui vient en Afrique, demande ta main. Donc vous, avec vos gars, vous restez là-bas en Europe. Il faut venir pour que la famille bénisse votre union. Quand la famille a déjà mis la main. Vous allez voir qu'une femme qu'on a dotée, pour que le mariage a fini, c'est chaud. Hein? Parce que quand elle veut partir, la famille dit que non, on t'a doté, nous on a mangé, on ne peut pas rembourser. Rentre seulement chez ton mari. Mais quand ce genre de mariage là, d'embenguis là, que oh, vous allez vous marier là-bas, c'est même l'anga qui a financé. Donc, ça finit vite un genre. Mais un mariage que les gens ont bu le vin de palme, vous avez mangé la cola. Pour que ça finisse, c'est trop compliqué. Donc les filles, comportez-vous bien.
pour que vos maris viennent vous doter, pour qu'on vienne vous mettre en haut, vous valoriser. Il n'y a rien de plus beau qu'un homme qui valorise sa femme devant la belle famille. Parce que là où je suis là, c'est un défi. Je vais me marier. Hein? Je me marie dans 2 ans. Amen, maman. Amen, maman. Il pleuve, il neige, je vais me marier. Amen. Et ça ne sera pas le mariage que le bracata du mariage. N'oubliez pas dans mon palmarès, 20 ans de mariage. Ce parfum de qui? Maman. Ah, ok. Et tu marches avec le parfum? C'est toi qui m'as appris ça, maman. Tu l'as toujours senti bon à tout moment. Donc, c'est bien comme tu as demandé, parce qu'il y a des gens qui supportent pour ces odeurs parfum. Donc, ce que je vais vous dire là maintenant, une femme qui est mariée est respectée. Quand une femme est célibataire, on te traite seulement de bordel. Même s'il y a quoi, on dit seulement que la bordel, elles sont mariées. Ou, vous voyez un peu, non? Dès que tu arrives à répondre, seulement, ah, d'où il va? C'est-à-dire que même si tu les donnes quoi, c'est les mamans là. C'est toujours que oui, ils sont mariés ou elles allons marier. Vous voyez un peu? Et ça fait mal à nos mamans. Quelle mère ne veut pas voir ça? Elle. Nadège, je t'aime pas fait. Tu as valorisé ta mère. Tu as valorisé ta mère, le feu. Le rêve de tous les mamans. Je veux me marier. Ago Maret Nassau Adontok. Et je veux me marier avec quelqu'un qui va venir me doter. N'oubliez pas que dans mon palmarès, un blanc m'a doté. Dans mon village à Tchang. Oui. Mais maintenant, là, je veux que je suis resté 20 ans de mariage. C'est un palmarès, mon frère. Une Africaine qui est 20 ans avec un blanc, maman. C'est le feu. Je suis resté 20 ans mariée. Donc maintenant, comme le mariage est fini, je dis que non, je fais la pause un peu pour goûter ce que les célibataires cherchent là-dehors. J'ai vu qu'il n'y a rien dehors. Quand j'étais mariée, j'avais les dragueurs. Il faut voir le nombre de gars qui disaient que je vais t'épouser. Maman, depuis que je, officiellement, c'est que non. Que je n'ai pas de gars, je suis célibataire. Tous les gars là sont tombés dans le Sosongo. Vous avez vu, non? Qu'on ne vous trompe pas. Restez avec vos maris. Alors, les cœurs, hein. J'ai fait le direct, mais on va refaire le live le soir. On t'a dit où on va en opérer? White House, à quoi? Hein? Mmh. Ok. Donc, les amours, il y a le spectacle, le 18, à ne pas rentrer, Nsonda. Nsonda, ça veut dire la succession en Yemba. Le spectacle du ballet de la diaspora, avec le jeune producteur que vous connaissez très bien, un très grand danseur, un beau groupe. Ils ont fait la tournée européenne il y a 6 ans. Et cette année, ils font leur spectacle à l'Ambrada, là où il y avait le concert de Caresse Photo à Paris. Donc, venez massivement soutenir le ballet de la diaspora. Le ballet, là, vous avez comprendre, ça raconte, c'est traditionnel. C'est très bien, il faut comprendre. Ça raconte l'histoire en dansant de Nzunda, la succession. Et ça va raconter en danse. Ça va vous raconter l'histoire de la succession en danse contemporaine. Et en danse traditionnelle. Le 18 mai à Paris. Une date à retenir. Alors les abeilles chéries, les abeilles, les sympathisants, les Européens qui nous suivent, venez vivre la culture africaine en danse. Le ballet national de la diaspora va faire son spectacle le 18 mai à Paris. Soyez nombreux. Apprenons à aller dans les spectacles. On vit en Europe. Apprenons aussi à aller dans les spectacles et vivre ça comme ça en live. Pas qu'on vous raconte. Donc, en légende du live, je vous ai mis, la billetterie est ouverte. Vous pouvez acheter vos billets sur Internet directement. Il n'y a plus que quelques places. Venez soutenir ce jeune groupe. On doit se soutenir. C'est important de se soutenir à la diaspora. Vous comprenez, non? Ma, il faut qu'on fasse un retrait orange. Je n'ai rien sur moi. Donc, moi, je serai au spectacle. On sera ensemble, chérie. On sera ensemble au spectacle. Je soutiens de tout cœur ce spectacle.
Que vous soyez à Paris ou en banlieue parisienne, même aux alentours, tu fais un retrait de 100 000. Mais ce téléphone, c'est qui envoie le code? Non, oui, mais je vais couper. Vas-y alors. Donc, du coup, il faut taper le code. Dans le téléphone. Tu tapes, moi je peux valider, non? Non, on ne fait plus ça. Ah. On fait plus comme ça. Ouais, c'est loin, hein? C'est où? Avance un peu, non? Non, il va pas au garé. Ah, ok. Ok, bon, je vous laisse. La connexion qui donne le téléphone est partie. On fait le truc à. On fait le direct le soir. Quand je rentre, il y aura le barbecue à la maison. Je vais faire un petit barbecue. Maman, je vais faire un soin de visage, il faut voir. Je vous embrasse. Si tu te maries, tu vas devenir sérieuse. Ah bon, hein? On va sauf que voir. Bisous, je vous aime, non? Tout à l'heure, les cœurs.